Moi, c'est Jocelyn Rémiard. Je suis le conjoint de Véronique Labbé depuis presque 15 ans maintenant. Véro, je l'ai vu depuis ses tout débuts comme artiste, depuis le début de sa carrière artistique. Je l'ai vu évoluer, bûcher, travailler très, très fort pour réussir en tant que chanteuse, mais également pour devenir la mère de nos deux beaux enfants. Je l'ai vu également évoluer beaucoup dans son rôle d'entrepreneur. Véronique, elle a su faire sa place dans l'industrie à travers un nombre incalculable de projets qu'elle a tous menés à terme. Je pense que Véro s'est fait un devoir de faire briller la musique country au Québec, ce qui n'était pas nécessairement évident au départ. Elle a su le faire en aidant beaucoup d'artistes sur son chemin. C'est une personne généreuse et passionnée. Puis, je suis toujours content de voir qu'elle m'a fait une place dans sa vie. Elle me fait aussi une place dans sa carrière et je l'aide à ma façon. Je suis toujours content de le faire et j'aime beaucoup travailler avec elle dans ses projets. Jocelyn, c'est comme un élément clé dans ma vie. Autant parce que c'est le père de mes enfants, mais dans ma carrière, il m'a tellement aidé, il m'a tellement donné, il m'a ouvert les yeux sur plein de manières de voir les choses pour être capable d'avancer. Autant qu'artiste, mais en tant que productrice, en tant que femme, il m'a souvent challengée. T'sais, on dit que c'est moi qui challenge tout le monde, là, oui, mais je peux vous dire qu'il est derrière moi souvent. On a même écrit des chansons ensemble autour d'une coupe de vin. Ça a fait des beaux mélanges, ça a fait des belles chansons. Et avec Richard Turcotte, j'ai eu le plaisir de faire plein de chansons. Et il m'a dit « Comment tu l'as rencontré, ton chum? » Parce qu'on parlait de la vie, tu sais, on parlait de tout et de rien, puis on est venu sur ce sujet-là. Véro, je l'ai rencontré d'une façon un peu inusitée. En fait, elle a eu un accident d'auto à la Saint-Valentin. Puis c'est mon beau-frère qui réparait son auto à son atelier. Moi, je travaillais dans le même atelier. Xavier, quand il m'a aidé, il arrêtait pas de me parler. Il faudrait que je te présente mon beau-frère. Il est célibataire, beau bonhomme. Moi, j'étais comme, écoute, j'étais là, je venais de me séparer. Je voulais vraiment pas ça dans ma vie. Il a convoqué Véro un peu trop tôt, justement, pour qu'elle vienne récupérer son auto. Puis comme elle avait pas dîné, puis moi non plus, ben, il nous a envoyé dîner ensemble. Puis finalement, mon chum, il a réparé mon char. C'est fou, ça a été un feu roulant. Après deux semaines de s'être rencontrés, on achetait une maison. Un mois après, on était dedans. Un an plus tard, un premier enfant. On a eu ensuite une deuxième. Ça a été un coup de foudre malgré tout. Véro, c'est drôle parce qu'elle fait beaucoup de routes dans une année. Puis encore aujourd'hui, ben, c'est encore moi qui répare son auto. Finalement, ben, ça a fait une belle chanson de la manière qu'on on s'est rencontrés, moi puis Jocelyn. On a chanté trop fort. C'est comme si c'était hier, mais je m'en souviens très bien. Mais bon, tu sais, j'ai dérapé un soir de Saint-Valentin et j'ai vu derrière moi son ombre. J'ai su que la nuit serait longue. Y avait pas de fleurs, pas de chocolat. On a chanté trop fort, on les dansait des panneuses. On vivait un petit peu qui faisait pas tort. On a chanté trop fort, on a joué au billard, mélangé des shooters au Budweiser. On riait sans savoir pourquoi, on chantait trop fort et on le fait encore. On s'est revu le lendemain matin et tous les autres lendemains sans s'engager, juste des one night, la liberté. Et j'ai vu dans ses yeux mon homme, j'ai su que la vie serait bonne.